Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. C'est parti? Prenez place, chers amis. Calez-vous dans un coin. Bon, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Moi, j'en ai passé de bonnes, mais j'ai eu un rhume. voilà. Euh, j'ai, pendant les vacances, lu quelques bouquins. J'en profite pour vous recommander celui-ci Science et pseudo -science. Euh, regard sur les sciences humaines. C'est les pseudosciences, mais sur le versant sciences humaines, il y a des articles excellents, notamment un de Régis Méran, qui est super un d'Alexandre Moati, qui est absolument génial aux éditions Matériologique, qui est une édition assez remarquable. Voilà, ça, c'est là. C'est à titre d'information. Aujourd'hui, c'est le cours numéro 5. C'est probablement le cours le plus technique que l'on va faire parce qu'on va parler des protocoles expérimentaux. Je vous rappelle que le cours est filmé, ce qui rend assez malaisé euh, deux choses. La première, c'est le brouhaha qui rend malaisé ensuite la saisie du son. Donc je vous encourage à être relativement silencieux, parce que ce sera ensuite ce, ces sessions de cours qui seront mises en ligne et qui pourront vous servir d'appui. Si elles sont mises en ligne avant la fin du semestre, elles eh ben, pourront vous servir d'appui, et puis pour les semestres suivants, eh, ils pourront s'en servir. Et puis, euh, le, la deuxième contrainte que ça donne, c'est que je suis obligé de prendre les questions, non pas à la volée comme ça, mais par SMS. Et donc je vais vous redonner tout à l'heure à la fin mon numéro, vous pourrez m'envoyer des petites questions que vous n'osez peut-être pas poser en public. Voilà, donc si vous arrivez à garder le, un relatif euh, silence, c'est très pratique pour ceux qui font la prise de son. Vous êtes prêts On y va. Je commence par euh, juste quelques événements qui se profilent à l'horizon. Euh, J'ai mis en rouge les événements qui me paraissent... Discutables et les événements en blanc, ceux qui me paraissent avoir une certaine portée euh, euh, scientifique. Alors, parmi les événements discutables ce soir à 20h, si vous ne savez pas quoi faire en sortant de ce cours, vous pouvez aller voir la, la conférence Amour, sexe et éveil à la rencontre de l'orgasme divin. Je suis dit que ça vous intéresserait peut-être. Je pense que vous avez le tarif réduit, vous, à 8 euros. Voilà, c'est à la Maison du Tourisme. Euh, lundi 6 mars, lundi prochain, il y a une conférence aussi à la Maison du Tourisme qui, elle, est gratuite et qui est organisée par l'université qui s'appelle Les signes religieux dans l'espace public. Grande question. Euh, mercredi 8 au vendredi 10 mars, je vous l'ai déjà dit, il y a un colloque organisé par Marlène Jouan, la philosophe euh, du laboratoire PPL, sur euh, la question de la grossesse pour autrui. Il y a trois jours comme ça d'intervenants qui viennent parler de ce sujet-là euh, sous toutes ses coutures. Et euh, c'est plutôt de bonne tenue, je crois bien. Le mercredi 8 mars à 20h le soir, donc si vous n'êtes pas fatigué par la grossesse pour autrui, vous pouvez aller suivre une conférence, elle aussi à 8 euros, tarif réduit, euh, sur les contacts médiumniques sur photo par Christine André, médium. Euh, elle vous dit quoi Elle vous dit qu'elle sera au service des âmes souhaitant passer un message à leurs proches lors de ces soirées. Elle s'appuiera sur les photos des défunts, place limitée, une seule photo par famille, décès entre 7 mois et 25 ans. Ah, c'est ce qui avait marqué. Voilà, je vous donne l'information. Donc, ceux qui travaillent sur le channeling et autres méthodes médiumniques ou de transcommunication instrumentale peuvent s'y rendre. Et s'ils sont complètement fauchés, je peux euh, financer une partie ou toute la place pour y aller, éventuellement sur mes propres deniers. Euh, le vendredi 28 avril, c'est un peu plus tard, mais je me suis dit que le thème pourrait peut-être vous brancher, vu qu'on a déjà un petit peu parlé. Il y a une conférence qui est faite sur les extraterrestres et nous réécrire notre histoire humaine. Par Phileo Natis, qui est, et je, je le donne comme c'était écrit, chercheur de la question extraterrestre. Voilà, C'est comme ça qu'il se définit. Ça se passe à la Bulle de Bonheur, 9 rue Joseph Thibault, à Grenoble. Comme quoi, il se passe pas mal de choses dans nos environs. Voilà, et dans le, 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 le texte qui était en dessous, il y avait marqué Je sais que ça vous intéressera, nos livres d'histoire racontent-ils la vérité quant à l'origine de notre espèce humaine, la datation et le niveau d'avancement des premières civilisations les dieux sont descendus du ciel, c'est pourtant bien ce qu'affirment nos plus anciennes civilisations, alors que les sociétés premières témoignent encore de leurs relations étroites avec le peuple des étoiles, entre guillemets. Tout un programme. Quant au cours, alors maintenant, le... Les cours sont fixés, c'est-à-dire qu'en fonction des urgences que j'ai par rapport aux dossiers qui me sont demandés, les, les sujets qui me sont demandés, euh, sur lesquels on a besoin d'aide et tout, j'ai placé le, les protocoles expérimentaux relativement tôt, aujourd'hui, pour qu'on en parle, pour ceux qui montent un protocole expérimental sur la télépathie ou sur des sujets de ce genre. Et euh, le cours sur la manipulation et l'engagement sera la semaine prochaine, mardi 7. Voilà, donc si vous voulez ramener des amis ou euh, éventuellement... Euh, euh, enregistré par vos propres moyens, ou si c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement, ne ratez pas ce cours-là. Euh, le mardi 14 mars, je parlerai des médecines dites alternatives, un grand classique de nos sujets. Euh, le 21 mars, je parlerai de sexe, genre et autodéfense intellectuelle. Ça aussi, c'est un sujet de débat assez contemporain. Et puis, comme ça parle de sexe, je serai que vous serez là. Le 28 mars, il n'y a pas cours. Euh, il n'y a pas cours parce que je ne suis pas là. Euh, le, ma le mardi 4 avril, on parlera de théorie de l'évolution sous différents aspects avec de quoi faire exploser votre cerveau à la fin, normalement. Le 11 avril, dans le cadre d'un festival, je ne sais plus comment, qui n'a pas de titre encore, je crois que ça s'appelle Festival Citoyen et Médias, ou je ne sais pas quoi, je fais un cours spécifique sur la critique des médias pour vous apprendre, si vous ne le savez pas encore, à douter de l'information qui vous est délivrée par les grands médias mainstream, quoi. et surtout dans, cette, de ce, dans ce contexte d'élection qui est particulièrement propice à différentes déformations de l'information. Le 18 avril, ce sont les vacances, donc à moins que vous assistiez, euh, je ne serai pas là, puis vous non plus. Et puis le 25 avril, cours très important qu'on fait sur l'histoire et la pseudo-histoire. J'ai bricolé ça avec des camarades, et notamment avec un, un, un jeune étudiant qui bosse avec moi sur la cartographie critique. Peut-être viendra-t-il faire une séquence sur la cartographie critique, et on apportera quelques cartes un peu spéciales. Et le 2 mai sera le dernier cours. Euh, il porte sur un, normalement le sujet le plus scabreux de tous. Euh, celui que, que j'aime bien traiter parce qu'il soulève un million de questions et ne, ne nous laisse pas indemnes, c'est la question de la philosophie morale. Vous verrez qu'on peut faire de la philosophie morale expérimentale. Peut-être même que je ferai des tests sur vous, je ne sais pas. Et c'est le jour où vous me rendez vos merveilleux, vos inénarrables et magnifiques dossiers. C'est le 2 mai, c'est-à-dire dans deux mois. Ok, je vous le dis, hein, au cas où vous ayez oublié. Ce sont des dossiers qui vous amèneront gloire et félicité, j'en suis sûr. L'erreur de la semaine dernière, de la, il y a deux semaines donc, elle était dans la diapo numéro 26, diapo concernant le curseur vraisemblance. Alors vous vous rappelez peut-être de cette, de cette diapo, et j'expliquais qu'à prétention extraordinaire, preuve plus qu'ordinaire, etc. Et puis je disais qu'il y avait une loi qui, qui disait que une découverte scientifique ne porte jamais le nom de son auteur, et j'ai appelé cette loi la loi de Mew. Alors je sais pas si je prononce bien, parce que je ne suis pas spécialiste des Pokémon, mais Mew, c'est lui, c'est un, un Pokémon. Bon, voilà. il n'existe pas du tout, Mew, enfin, enfin il n'existe enfin, que dans le monde des Pokémon. Et voilà, donc il est de type psy, ce qui m'a beaucoup plu. Et en fait, il s'agit de la loi de Stigler. Qu'est-ce aussi d'intéressant à la loi de Stiegler C'est de dire qu'une découverte scientifique ne porte jamais le nom de son auteur. Et pour le coup, la loi de Stiegler elle-même s'applique à la loi de Stiegler puisque en fait, Stigler lui-même dit qu'en fait, il la doit à Merton. Donc vous voyez, c'est encore un autre auteur. Voilà. Et, mis, et on a fait un petit article avec mon collègue Pinceau sur ce sujet. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a toujours eu quelqu'un qui a dit la chose intéressante dont on est en train de parler avant nous. C'est ça qui est assez stupéfiant. Alors, parmi les gens qui m'ont euh, écrit, euh, ceux qui ont gagné, c'est les sept personnes qui sont là. Je vais leur ramener un petit bouquin. Voilà, ils ont un petit cadeau. Pouf, petit bouquin à venir chercher ici. C'est un bouquin aux éditions Time Party sur les poissons. Et ça fera un lien avec notre cours numéro 12. Ils pourront anticiper quelques questions morales fondamentales. Voilà, ils sont là, euh, Sana, Mathieu, Juliette, Sarina, Sibylle, Loïc et Mévric Il y en a un là. OK, cool. Bravo, hein, c'est bien. Ça, ça prouve que vous connaissez les Pokémon. C'est chouette. Bravo, soyez vigilants. Méfiez-vous des cours qu'on vous délivre à l'université. Il y a toujours des coquilles ou des bêtises qui s'y glissent. Alors, j'attaque le contenu du cours proprement dit. Donc, je vous encourage à essayer d'être attentif. Parce que je pense que si vous, vous, vous acquérez correctement les outils qui sont présentés maintenant, vous serez en mesure de parfois faire des vérifications que vous, vous auriez pensé peut-être ne pas être en mesure de faire. Et vous verrez que vous pourrez peut-être même faire des économies. J'essaierai de vous dire pourquoi tout à l'heure. Alors, vous vous rappelez de mon Peter Parker qui est ici, c'est-à-dire euh, l'araignée, son sens araignée qui s'agite quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien ou qui permettent de douter. On a vu des outils épistémologiques à foison. Normalement, vous êtes assez outillé maintenant pour faire, pour faire une carrière de, de, de sceptique toute votre vie. Et il faut un peu de méthode. Et la méthodologie, euh, souvent, on est capable de la mettre en place quand on a affaire à du matériel assez... Simple, des objets comme on le fait en TP quand on est au lycée par exemple. Et, euh, mais ça devient tout de suite plus compliqué quand on raisonne sur des sujets qui sont dits euh, étranges ou paranormaux, surnaturels. Et souvent, on a tendance à oublier que la méthodologie scientifique, elle est euh, toujours, euh, elle est toujours euh, euh, sensiblement la même. alors Il y a quelques variantes selon les selon les, les domaines. Évidemment, quand vous êtes en anthropologie, c'est pas tout à fait la même chose que si vous êtes en chimie, si vous êtes en sociologie, c'est pas tout à fait la même chose que vous êtes si vous êtes en psycho. Chaque fois, vous travaillez sur des terrains, vous travaillez sur des échantillons de gens. C'est pas toujours euh, les mêmes modalités, mais le fond de l'histoire est le même. Est-ce que ce qu'on en train de dire est plus vraisemblable que ce qui était dit avant? Est-ce que ce que je dis en ce moment est plus vraisemblable que ce que ce qui était dit précédemment? Est-ce que ça tient la route ce que je dis, est-ce que j'ai un corpus de preuves qui soutient ce que je pense? Est-ce que je peux arriver à convaincre et à objectiver ce que je suis en train de dire pour que ça soit pas qu'une affaire de foi, renvoie au cours numéro un, mais une affaire d'adhésion que je vous fasse adhérer à ce que je vous raconte et non pas vous faire juste y croire quoi. Et donc il y a des outils. Alors la base, j'ai tout écrit, enfin, j'ai essayé d'écrire le maximum de choses sur mes diapos pour que vous puissiez les relire en allant sur le site. Page étudiant, en bas à gauche, toc, mot de passe Dumbledore, etc. Vous savez tout ça. Et dedans, j'ai essayé d'écrire, je ne vous lirai peut-être pas tout ce qui a marqué là, ça soutient juste le diapo, le, le, votre lecture. Vous pourrez revoir chacun des points essentiels. Le premier point, je l'appelais le point zéro parce qu'il est fondamental et je vous encourage à ne pas l'oublier, c'est d'être humble. D'accord D'être humble, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, de douter de ses opinions préalables. Quand par exemple quelqu'un veut travailler, comme on me l'a dit tout à l'heure, sur euh, les liens entre le Wi-Fi et la santé, par exemple, je sens dans la façon dont la question m'est posée que la personne qui pose la question, elle a déjà un avis préalable. Si vous voulez faire une enquête scientifique, vous devez faire attention à votre, avi, à votre avis préalable. Il risque vous, de vous induire en erreur, il risque de vous, de vous décaler, et vous allez voir de plein de façons différentes, il peut vous décaler, vous orienter vers le résultat que vous escomptez et non pas le vrai résultat. Donc il faut être capable de se dire, et si c'était vrai, qu'est-ce que je vais mettre en place pour le vérifier Mais si c'était faux, qu'est-ce que je mets en place aussi pour le vérifier quoi En essayant de se dire, bah, j'essaie d'être neutre, j'essaie de suspendre mon jugement, comme disait Piron, euh, dont je vous ai parlé il y a, il y a, il y a un petit peu de temps de, de, euh, déjà. De toute façon, douter de son opinion, c'est assez logique, c'est les conséquences même de tout ce qu'on a vu jusque-là, parce que nos sens nous trompent, vous le savez, je l'ai remarqué, les témoignages sont sujets à discussion et à caution, on confond souvent le vécu personnel et euh, les expériences, euh, les grosses expériences solides, le, les, le mot pose problème d'ailleurs, parce qu'une expérience personnelle et une expérience scientifique, c'est le même mot, puis en fait, ça ne recouvre pas du tout la même chose. Et j'ai noté, croire est plus confortable que savoir. Et oui, car savoir, je l'ai déjà dit, je crois, savoir fatigue. Savoir, c'est fatigant et il faut mettre en place des protocoles expérimentaux pour vérifier des choses. Alors que croire, c'est facile, vous n'avez pas besoin de protocole expérimental, c'est très pratique, vous pouvez choisir ce qui vous plaît. Par contre, vous n'avez aucun moyen de prouver à, votre, à vos congénères que vous avez raison. Alors, les avantages majeurs, bah, vous les connaissez, hein, c'est tester la solidité. De toute façon, ce n'est pas compliqué. En testant les, les opinions sur lesquelles vous êtes déjà euh, engagé, je vous donne un exemple tout bête. En ce moment, c'est les élections présidentielles qui se profilent. Vous votez peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Mais vous avez probablement une opinion politique. À ma grande surprise, je constate que les gens qui ont une opinion politique prononcée auront tendance à ne lire que les publications qui vont, ou les articles, ou les articles de presse, ou écouter la radio qui va dans le sens des, euh, des opinions qu'ils préfèrent. En fait, ils ne font que valider subjectivement les opinions qu'ils aiment bien, et ils s'exposent sélectivement aux médias qui portent ces opinions-là. Normalement, une démarche sceptique serait de se dire, si je veux être sûr de ce que je pense, si mon opinion politique tient la route ou mon opinion scientifique tient la route, je devrais m'exposer plutôt aux arguments contraires, lire la presse complètement opposée à ce que je raconte, et c'est seulement si j'arrive à décortiquer tout ce qui m'est présenté par les adversaires de ma théorie, j'ai raison de défendre cette théorie-là. Donc normalement, quelqu'un qui est porté très à gauche devrait lire de la presse de droite profonde, quelqu'un qui est porté très à droite devrait lire de la presse de gauche profonde. Et très peu d'entre nous le font. Je vous encourage fortement à le faire. C'est le meilleur moyen de savoir si vous avez raison de penser ce que vous pensez. Deuxième conseil, ne pas se positionner sur la bonne ou la mauvaise foi des gens. Avec qui vous avez monté des protocoles. Quand on est dans le monde de la zététique, vous allez avoir affaire à des gens qui disent avoir des capacités médiumniques, télépathiques, euh, des capacités parapsychiques diverses, euh, être capable de, 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 de faire s'arrêter des montres. Euh, dès qu'ils portent une montre, ça s'arrête. J'ai une voisine qui me parle de ça assez régulièrement. Euh, vous avez des gens qui disent être capable d'utiliser des supports pour trouver s'il y a des sources dans leur jardin. Vous avez des gens comme ça qui vont vous proposer des choses de ce genre. Et. Si vous dites, je sens qu'il est de bonne foi, alors euh, je me donne plutôt mon, ma confiance, ou plutôt celui qui oh non, celui-là, il m'a l'air plutôt de mauvaise foi, je ne donne pas de ma confiance, sachez que la bonne ou la mauvaise foi, en fait, déjà, c'est inanalisable. Vous pouvez pas être sûr que quelqu'un soit de bonne ou de mauvaise foi, il peut très bien vous mentir. Vous savez vous avez ce qu'on dit sur les escrocs, hein, si les escrocs avaient vraiment une tête d'escroc, <laughs> ils ne prendraient jamais personne. Quoi. Donc en fait, un escroc, par définition, ou quelqu'un de mauvaise foi, par définition, il n'a aucun intérêt à montrer qu'il est de mauvaise foi. Sinon, ça se verrait tout de suite, on est bien d'accord et donc, euh, la bonne foi et la mauvaise foi ne sont pas des arguments. Et le deuxième, le deuxième, le deuxième point sur lequel je veux insister, c'est que je crois que je vous l'ai déjà dit, mais sur les centaines de, de praticiens que j'ai pu rencontrer dans, dans, ma, dans mon existence, euh, les, des gens de mauvaise, mauvaise foi, j'en ai vu deux. L'immense majorité des autres sont d'extrêmement de, bonne foi. Même quand ils proposent de vous soigner par des méthodes les plus invraisemblables qu'ils soient, ils le font en... en en, en, en pleine bonne foi. Quoi. Donc la bonne foi, ce n'est pas un argument. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit quelque chose de bonne foi que forcément il a raison. Mais par contre, ça veut dire que l'essentiel des gens avec qui vous montrez des protocoles de test, ou des gens qui vous disent euh, euh, voir ou vivre des choses, ou être capable de réaliser des, des, des prouesses euh, incroyables, ce sont des gens qui y croient dur et qui, et qui souvent, dans leur vie, ça, leur tient, euh, ça, ça les tient. Quoi. Ça leur donne un statut, ça leur donne un, un support. Je pense par exemple à, à pas mal de... De, de gens qui sont magnétiseurs ou rebouteux dans leur village ou dans leur quartier, ça donne un statut. quoi fait que si vous, vous montez un protocole avec eux, vous êtes gagnant tout le temps. Parce que soit vous trouvez qu'ils ont vraiment un don, en quel cas tout le monde est content et on découvre un nouveau phénomène et peut-être vous aurez le prix Nobel et on le partage en lançant des cotillons et en buvant du champagne tout nu au bord d'une piscine. Ok, ça c'est cool. Par contre, si on trouve rien, c'est pas grave. Nous, en tant que zététiciens ici, on, on est content quand même. On a monté un protocole expérimental rigoureux. Certes, ça n'aboutit pas n'empêche que le, le vous avez montré que le protocole mis dans, cette, dans, dans ces conditions-là ne fonctionne pas, et ça a fait avancer la connaissance. Par contre, pour la personne qui défend sa capacité, elle c'est complètement différent. Dans un sens, c'est une validation de ce qu'elle fait, elle est ravie. De l'autre, c'est la, la déconfiture complète, c'est le drame. Quoi. Si, si vous montez aujourd'hui encore, quelqu'un m'a écrit pour me demander si on pouvait monter un protocole expérimental sur, sur sa femme qui a des capacités médiumniques. Elle est capable d'intercéder de, de, avec des défunts. Elle dit être capable d'intercéder avec des défunts. Moi je dis vous savez et il veut monter un protocole là-dessus. Moi je dis vous savez monter des protocoles avec ses proches, c'est casse-gueule quoi. Parce que si ça ne marche pas, euh, ça va être violent. Ou alors la personne va résoudre sa dissonance cognitive en préférant détester la personne qui a monté le protocole, ce qui arrive assez fréquemment. Et dans un couple, vous imaginez vite le, les dégâts que ça peut faire. Quoi. Donc, je me rappelle qu'il y a plusieurs groupes d'étudiants qui sont venus me voir durant les 12 dernières années là, pour me dire Tiens, je testerais bien ma mère, ou tiens, je testerais bien mon oncle qui fait ceci, ou mon frangin. Et j'ai essayé toujours de les, de les détourner de, de, de ce genre de protocole, parce que c'est vraiment très, très douloureux hein, si ça ne marche pas. Et il est assez fort probable que ça ne marche pas, les protocoles expérimentaux sur les phénomènes paranormaux, parce que pour l'instant, ça n'a pas marché. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas, mais il y a. Il faut, il faut prévoir à l'avance que ça risque de ne pas marcher. Et quand on essaie de le faire dans la tête des, des praticiens, on leur dit mais vous savez si ça ne marche pas généralement ils n'arrivent pas à se, le, à se le mettre en tête. Ils disent non mais c'est sûr que ça marche parce que j'en suis sûr. Alors oui mais et si ça ne marche pas Non mais c'est pas grave j'en suis sûr. Ouais non mais si ça ne marche pas Non mais je, je suis certain que ça va marcher. Et c'est très difficile de leur faire toucher du doigt le fait que ça risque d'échouer. Ce qui fait que le jour où ça arrive l'échec c'est très violent. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Donc mes conseils, faites ce que vous voulez, mais soyez doux dans votre démarche, soyez euh, euh, conscient de la portée affective que le test va avoir. Vous vous en aurez peut-être pas trop, voilà. Mais par contre, pour la personne qui est testée, elle s'est vue c'est rude et ne, voilà, ne pas tester ses proches. Voilà, c'est mon conseil. Alors si vous désobéissez, libre à vous. Mais si vos soirées sont animées après, ce ne sera pas ma faute. Voilà, je vous aurais prévenu.